Bonjour, c'est Rachel Dufour. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 17, 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Si tu connais ce petit chant d'enfant qui dit « Le véritable ami aime en tout temps, dans les jours faciles et dans les mauvais moments », tu vas te retrouver avec cet air et donc ce verset dans la tête toute la journée, comme moi aujourd'hui. Les proverbes sont remplis de sagesse et de bon sens. Le jeune fils prodigue a pu expérimenter en personne exactement l'opposé de ce proverbe. Ses soi-disant amis n'étaient dans sa vie que pour son argent. Combien de fois t'es-tu retrouvé avec des amis qui n'étaient dans ta vie que parce que tes circonstances leur étaient favorables? Si tu as déjà subi cette déception, je suis vraiment désolée. C'est une réelle douleur, difficile à comprendre. En plus de la douleur, cette blessure crée de la distance avec les autres personnes autour de toi. La confiance est abîmée, même avec ceux qui te sont restés fidèles. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à pardonner ces soi-disant amis. Le pardon te rendra libre de ces déceptions et te permettra de commencer à guérir. Maintenant, je voudrais te challenger à examiner pour toi aussi ton statut en tant qu'ami. Comment te comportes-tu avec tes amis? As-tu besoin de faire le point sur les différents niveaux d'amitié que tu as autorisés dans ta vie? Il y a une différence entre les amis sur les réseaux sociaux, les amis qui se trouvent dans un cercle élargi et les amis qui sont dans ton cercle privé. Basé sur le proverbe du jour, je t'encourage à envoyer un mot d'encouragement, d'amitié, à tes amis proches pour que tu sois cet ami qui aime en toutes circonstances. Assure-toi que tu ne te retrouves pas être toi-même dans la catégorie des amis qui ne sont intéressés que par les circonstances de ceux qui sont dans ta vie. La Bible est un vrai miroir qui nous permet de faire le point sur notre âme et sur nous-mêmes. Et pour terminer, prends quelques minutes pour remercier Dieu pour tes vrais amis. Sois un frère ou une sœur, bien sûr, pour eux, en cas de besoin. Loue Dieu pour leur vie aujourd'hui.